vidéo témoignage de Mademoiselle Fouedi Matane Agnès, princesse âgée de 18 ans, qui a manifesté ce 1er juin 2019 au niveau de la poste centrale, qui a été arrêtée par les gendarmes. Donc, vous pouvez admirer des séquelles, des sévices qu'elle a subies au niveau de la plante des pieds, sur la paume des pieds. Vous pouvez admirer ces sévices. Elle a du mal à soulever les pieds. Mademoiselle Fouedi Matane Agnès, dites devant la caméra, qu'est-ce que vous avez subi au CERD? Racontez comment est-ce qu'on vous a arrêté, comment vous a interpellé, comment ça s'est passé, qui vous a conduit où au CERD, et racontez ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu des coups? Est-ce qu'on vous a asséné des coups au CERD lors de votre passage? Vous racontez tout ce qui s'est passé lors de votre détention au secrétaire d'État à la Défense par des gendarmes. Moi, c'est bien évidemment Fouedi Matane Agnès, âgée de 18 ans. Le premier, j'étais à la marche au niveau de la... On nous a arrêtés au niveau de la porte centrale. Nous sommes entrés plus d'une dizaine dans le camion. Ils nous ont amenés d'abord au groupement. Arrivés au groupement, ils nous ont séparés des garçons puisque nous étions 6 filles. Ils ont récupéré tous nos effets. Après, ils ont sélectionné 3 filles d'entre nous. Nous sommes entrés dans un bus avec quelques garçons. Nous sommes descendus au 7 mai. Quand on arrive au 7, on commence à nous maltraiter. On commence à nous donner les exercices physiques à faire. Quand tu faisais mal, on te tapait partout, on te giflait partout. Ils nous ont donné un exercice, j'étais même de sa poupée, j'étais là, j'étais à poupée. Un est venu taper fort dans mon dos, fort sur mon dos. Puisque j'ai le mal d'après, j'ai commencé à avoir mal, je ne respirais pas bien. Quand je ne respirais pas bien, j'ai failli tomber. Il est encore revenu doser. Je dis que s'il te plaît, ne me dose pas au dos. Tape-moi partout, mais ne me dose pas au dos. Parce que j'ai mal au cœur. Quand tu fais au dos, ça me fait plus mal. Il continuait seulement à nous taper. Dis que tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Quand il demande ton âge, quand il demande mon âge, j'ai 18 ans. Il me tape, il me gifle. Il demande que je fais quoi là? Que mon travail c'est quoi? Qu'on m'a payé combien? Je dis, on ne m'a pas payé. Il me gifle encore, qu'on t'a payé. Nous étions alors placés. Il ne faisait que nous maltraiter. On faisait les marches canards, puisque au CERD, il y a une petite colline là. On nous obligeait à faire la marche canard. Et au fur et à mesure que tu marchais, on te tapait. On te tapait derrière, on te tapait derrière avec la matraque. La matraque et le courant. Ils passaient le temps à te taper. À un moment, je suis même tombée. Ils ont dit, si tu veux, tu meurs, ça fait quoi? Si tu veux, tu meurs, ça fait quoi? Tu peux même mourir, tu sais à quoi? Ils continuaient à taper. Ils ne prenaient même pas en compte le fait que je me plaignais du cœur. Ils tapaient partout. J'ai demandé l'eau. Ils ont refusé. Ils continuaient seulement à taper. Quand ils nous ont torturés plus d'une heure de temps. Après, ils nous ont amenés dans un bureau, moi particulièrement. Il m'a demandé, c'était pour les auditions. Un m'a demandé pour l'audition. J'ai dit que non, je vais parler seulement en présence de mon avocat. En présence de l'avocat, dès que j'ai dit ça, un commandant est venu tirer mes cheveux fort et me coxer la tête très fort. Ça faisait très mal. Quand il me corse la tête, il m'amène particulièrement dans un autre bureau qu'ils vont me mater. Arrivé dans le bureau, un lieutenant arrive. Il me dit, tu dis que tu vas déclarer rien qu'en présence de ton avocat. Je dis oui. Il me dit, enlève les chaussures. Il prend la matraque, il me tape près de 20 coups au pied. 20 coups. Il me tape près de 20 coups. Pendant que je suis en train de crier, que ne me tapez plus, il profite, il me tape partout. Il me dit, je ne crie plus. Je criais, il continuait à me taper, disait, arrange tes pieds.
À un moment, il a même sorti l'arme, me disant que si je crie encore, il va me tuer, parce que me tuer ne me coûte rien, que je ferme ma bouche, continuer. Après, il reprend l'audition avec la matraque, il me dit, si tu ne me dis pas ce que je veux entendre, je continue à te taper. Quand il me demande, tu as pris ou as-tu été informé de la marche, je dis à Equinox, à une télévision, Equinox Télévision, il me dit, asseye-toi encore. Je m'assois, il continue à me taper, à me taper, à me taper. J'ai dit que non, je vais déclarer sans mon avocat, s'il vous plaît, chef, arrêtez de me taper. C'est où je déclare. À chaque fois, il voulait que je dise ce qu'il voulait. Il voulait que je dise rien que ce qu'il voulait. Il me demande pourquoi j'ai marché le premier. Je dis que non, pour dire non à la guerre. Il me dit, même s'il meurt dans les régions anglophones, ça te fait quoi? Donc, pour même, c'est quoi dedans? Tu as perdu qui? Il dit que non, moi j'ai dit non, je marchais pour dire non à la guerre. Il continue à nous taper. Tout le monde me tapait là-bas, puisque tout le monde me marquait que j'étais petite. On me demandait toujours, tu as quel âge, tu fais quoi dans la marche? Quand j'ai dit 18 ans, on me gifle partout. Si même l'autre. On me gifle là, partout, on me tape avec les ceintures partout, partout sur le corps. C'était vraiment affreux. J'ai reçu près de 10 gifles là-bas. On a passé vraiment. Les heures étaient vraiment terribles. Donc, quelqu'un n'a jamais vécu ça. Les traitements étaient vraiment inhumains. C'était terrible là-bas. Est-ce que vous avez identifié les lieutenants? Vous avez cité un lieutenant, vous avez cité le commandant. Est-ce que vous avez identifié les gendarmes qui vous ont battu? Est-ce qu'ils avaient leur nom? Si oui, donnez leur nom. Sinon, dites si vous avez pu identifier une de ces personnes. Oui, je peux reconnaître un des gendarmes qui m'a tapé. Parce que celui-là était vraiment rude. Il était sans pitié. Est-ce qu'on vous a auditionné lors. Vous l'avez dit. Après votre torture. Est-ce que. On vous a auditionné avant votre torture. On veut savoir, si on vous a auditionné, quelles sont les questions qu'on vous a posées entre autres? C'est vrai que vous avez déjà affirmé, vous affirmez que on vous a demandé qu'est-ce que vous faisiez à la marche. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions particulières qui ressortent de l'audition des gendarmes du CERF? Oui, ils insistaient sur le fait de savoir qui m'a amené à la marche, combien on m'a payé, qui est le chef, où on se regroupe pour faire la marche. Ils insistaient et si tu ne disais pas ça, ils continuaient à te taper. Ils continuaient seulement à te taper. On veut savoir, est-ce que on vous a violé au niveau du secrétariat d'État de la Défense? Non. On ne m'a pas tué. Est-ce que vous avez mangé au niveau du secrétariat d'État de la Défense? On nous a arrêté exactement à 10h19. Et depuis 10h19 jusqu'à 17h, samedi 10h19 jusqu'à dimanche 17h, c'est à l'instant là que nous avons mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ils nous ont donné du pain avec de la sardine, avec une bouteille d'eau. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on ait mangé, ils nous ont ramenés dans la cour. Vers les 19h, ils nous ont rappelés, nous tous, avec les garçons, puisque les filles étaient à part. Ils nous ont mélangés avec les garçons. Former les groupes de 3, parce que je crois que nous étions 60. Former un groupe de 20. Et chaque groupe avec son responsable. Et on vous disait de signer des engagements. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de signer particulièrement? Ils nous ont demandé de signer en disant que nous, on ne doit plus marcher. Nous continuons à vous demander.
Quand est-ce que vous avez été libéré? Pour la libération, on a dormi en cellule. On a, le dimanche, là, nous avons, nous sommes retournés en cellule aux environs de 23h. Nous avons dormi là-bas, nous les femmes, parce que nous étions gardées sur une autre place. À 5h30, deux gendarmes sont venus nous retirer en cellule, disant de faire vite, avant que le jour ne se lève pour nous libérer. Nous sommes arrivés, chacune d'entre nous prenait alors ses effets. Moi, j'avais juste ma CNI, j'ai pris ma CNI. Et vers 6 heures comme ça, ils nous ont mis hors du portail, ils nous ont demandé de partir. Donc, que tu avais même l'argent de taxi ou pas, tu allais te débrouiller à arriver chez toi. Bon. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Quelle est l'appréciation que vous faites du cercle où vous avez été torturé? Vraiment, je préfère. Peut-être le commissariat aurait été mieux parce qu'au sein, ils nous ont vraiment maltraités. C'était vraiment inhumain. On ne connaissait pas. Juste à un moment, je suis tombée. J'avais vraiment du mal à respirer puisque vraiment ma maladie, j'ai vraiment, jusqu'à maintenant, mon cœur continue à faire mal. Ça bat fort. Je ressens des douleurs. Je suis tombée. J'arrivais plus à respirer, mais personne n'était. Ça ne touchait personne. Me dire que tu meurs, non, ça fait quoi? Tu meurs, ça fait quoi? C'est vraiment inhumain. Ils nous ont vraiment torturés. Merci, Madame Fouadji Matane Agnès, pour ce témoignage. Vidéo témoignage de Mademoiselle Fouadji Matane Agnès, princesse âgée de 18 ans, qui a manifesté ce 1er juin 2019 au niveau de la poste centrale qui a été arrêtée par